Bonjour, chers jeunes, nous nous retrouvons pour la conclusion de cette série. Comme nous l'avons vu dans les entretiens précédents, l'humanité, d'après le cours de son histoire, est arrivée au seuil du temps de l'esprit, au millénaire du royaume. Et Marie-Paul, qui est la mère du royaume, nous a laissé tout ce dont nous avons besoin pour y accéder. Elle a même transmis sa royauté avant de nous quitter. Les bases sont en place pour le renouveau. Cela dit, en observant l'état de notre monde, il est facile de remarquer que si le royaume est ouvert et qu'il nous est déjà possible d'en vivre, les grands changements annoncés ne sont pas encore advenus. Ce n'est pas encore la volonté de Dieu qui est faite dans notre société ni ailleurs sur la terre. Au fond, notre époque est une époque de transition, c'est-à-dire que nous vivons un passage progressif entre le monde que nous connaissons présentement et le monde tel qu'il sera une fois le royaume bien implanté. Le renouveau va se produire bientôt, à l'heure de Dieu, lorsque, enfin, de plus en plus d'hommes, de femmes et d'enfants vont connaître Marie-Paul et vont s'ouvrir à l'immense amour qu'elle veut donner au monde. Un jour, nous allons donc être témoins de conversions toujours plus nombreuses. Qu'est-ce qu'une conversion Se convertir, c'est faire une place à la divinité dans son cœur. C'est s'ouvrir aux vraies beautés de la vie, donc s'ouvrir à la lumière de Dieu et croire en lui. Se convertir, c'est, soutenu par la grâce de Dieu, changer de conduite par amour pour lui et renoncer au mal. C'est décider de prendre le chemin qui conduit à Dieu en commençant par vouloir devenir un saint ou une sainte. Ainsi, bientôt, progressivement, les âmes vont revenir à Dieu. Elles vont vouloir faire sa volonté. L'amour triomphera. Pour le plus grand bonheur de tous nos frères et sœurs humains. Pour notre part, dans l'œuvre de la Dame, nous avons la grâce de connaître déjà Marie-Paul et son amour immense pour l'humanité qu'elle veut conduire jusqu'en Dieu. Le royaume sera le fruit de son amour en toutes ses dimensions et il facilitera la montée des âmes. Mais il faut que ce soit bien clair en notre cœur. Le royaume ne se fera pas tout seul. Marie-Paul compte sur nous tous pour l'aider à l'établir. Elle a besoin de nous, de toute notre bonne volonté. Il faut donc être là, prêt, disponible à servir la mère du royaume. Dès votre jeune âge, cher jeune, vous pouvez servir sa cause. De quelle manière Premièrement, en veillant à votre vie spirituelle. Cela veut dire qu'il faut réserver une place d'honneur à Marie-Paul et à la divinité tout entière dans votre quotidien. Car il ne faut jamais oublier que c'est le royaume de Dieu que nous attendons. Tout prend source dans le spirituel. Priez, par exemple le chapelet ou la prière à la dame de tous les peuples, c'est fortifier notre vie spirituelle, c'est prouver notre amour pour la quinternité et attirer une foule de grâce vers la terre. Ensuite, recevoir souvent l'Eucharistie nourrit notre amour et soutient nos efforts. Puis, la confession fréquente nous aide à garder notre âme pure et liée à Dieu. Si vous voulez participer à construire le royaume, il est aussi nécessaire de penser à votre réforme intérieure, c'est-à-dire de fournir des efforts pour vous améliorer, pour corriger vos défauts. Dès que vous êtes capable, vous pouvez aussi commencer la lecture de Vie d'amour et vous intéresser à la revue Le Royaume afin de vous habituer à vous garder informé sur l'actualité de l'œuvre. Soyez bien conscient aussi qu à chaque fois que vous participez à une cérémonie à Spirimaria ou à une réunion de l'œuvre, vous contribuez à la venue du Royaume. Ainsi, si vous gardez votre cœur tourné vers Marie-Paul et vers son œuvre, vous grandirez en devenant de véritables pionniers du Royaume. Vous contribuerez à rendre le monde meilleur. Au fil des générations. Le royaume va s'établir de plus en plus. Donc, vous, les jeunes, vous verrez la réalisation d'heureux changements pour lesquels vos parents et vos grands-parents auront beaucoup prié. Actuellement, nous sommes si peu dans l'œuvre, et nous disposons de peu de ressources comparativement aux grands de ce monde. Mais, il faut garder confiance. Marie-Paul a débuté l'armée de Marie presque seule entouré de quelques personnes avec seulement cinq dollars en poche et voyez l'œuvre qu'elle a édifiée avec l'aide du ciel le seigneur lui avait bien dit je te donnerai tout et pour la suite des choses marie-paul écrit ceci d'envie d'amour dieu peut tout donner à ceux qui serviront cette cause même si je ne suis plus là nous avons donc l'assurance que le ciel nous soutiendra à tous les niveaux. En résumé, pour contribuer à l'avènement du royaume, nous sommes tous invités à vivre de notre mieux notre consécration à Marie-Paul. Cette belle prière exprime notre foi dans l'œuvre grandiose que Marie-Paul a accomplie. Elle est l'envoyée de Dieu pour notre temps. Par cette prière, nous nous offrons à elle pour rater l'avènement du royaume et pour y travailler de la manière dont elle voudra bien nous utiliser. N'oublions jamais qu'au fil des événements, grâce à Marie-Paul et moyennant notre contribution, notre monde va devenir meilleur, plus beau, parce que toujours plus conforme à la volonté de Dieu. Son règne vient. En vous remerciant de votre attention, je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.